Le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est un projet de reconception et de réhabilitation d'un bâtiment. Ce bâtiment a la particularité d'accueillir des activités de livraison de gros moyens industriels. Donc il a cette particularité-là de devoir accueillir tout un tas de métiers et de métiers support, des juristes, des assureurs, des banquiers, mais aussi de gros clients internationaux. Et ce bâtiment est le lieu de finalisation des commandes et de contractualisation des commandes de livraison. Ma mission principale était d'accompagner le client à la définition des besoins concrets, des besoins futurs du travail et des usages du bâtiment, et pour répondre à plusieurs enjeux notamment. Le client avait une perspective d'augmenter de 35% des effectifs au sein même du bâtiment. L'autre objectif était de pouvoir redorer son image de marque auprès des clients internationaux. Le troisième objectif était de pouvoir retravailler sur la communication et les collaborations dans les équipes. Donc déjà, on fait un premier repérage pour comprendre un peu les agencements et les problématiques qu'il peut y avoir. On va regarder comment les bureaux et chacun des métiers sont positionnés les uns par rapport aux autres. On va regarder les problématiques qu'il peut y avoir en termes de flux de personnes, de flux de dossiers, parce qu'on avait une problématique de flux de dossiers qui devait être confidentiel, qui ne se retraduisait pas au travers des espaces. C'était important de comprendre aussi les flux globaux et généraux du site. On avait des métiers qui étaient un peu éparpillés partout au niveau des différents bâtiments et ils devaient se retrouver dans ce bâtiment-là pour réaliser l'activité finale de livraison. Donc il fallait vraiment comprendre les interactions entre les différents espaces. L'idée, c'est de bien comprendre les problématiques actuelles pour transformer et améliorer les situations de travail de tout à chacun. Ces observations ont dû être complétées par d'autres observations de personnes en situation réelle de travail. Mais aussi, on a réalisé des entretiens avec les personnes pour bien comprendre les modalités de fonctionnement. Et donc, du coup, à travers les échanges, on a pu récupérer tout un tas d'informations de la manière dont ils collaboraient entre eux et des besoins qu'ils avaient à pouvoir se retrouver pour leur permettre d'échanger et d'échanger les informations nécessaires à la réalisation du procédé. Après la phase d'observation des situations de travail, on prend un temps au bureau, ce qui nous permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on a observé et surtout de créer des liens entre les différentes observations et les différentes données qu'on a pu récolter sur le terrain. Ça va nous permettre de problématiser et de commencer à réfléchir à des pistes de travail et des axes d'amélioration. On va avoir une phase au bureau, une phase en groupe de travail à la fois avec les différents salariés interviewés et observés, avec le dirigeant pour se convaincre en fait d'aller dans cette direction-là. Et après, on va travailler avec les concepteurs finalement du bâtiment et à travers de simulations d'activités réelles de travail sur des plans avec des architectes, des bureaux d'études, des ingénieurs pour avoir cette transformation. On a finalisé les plans avec les architectes et mon client. On s'est accordé sur un mode de fonctionnement futur grâce à une implantation figée et validée par l'ensemble des salariés et de la direction. Et aujourd'hui, on est en phase de construction du bâtiment. Donc on a les travaux qui doivent débuter à la fin de l'année pour une livraison définitive prévue en septembre prochain. J'adore mon métier parce que je passe beaucoup de temps à comprendre le métier des autres finalement. J'ai jamais deux journées pareilles, elles sont toutes riches en termes de rencontres et d'échanges avec l'humain. D'une entreprise à l'autre, on construira jamais la même solution. Elle est unique et elle appartient à l'entreprise, à ses enjeux, à ses objectifs et à ses problématiques. On a ce pouvoir de réellement transformer les situations de travail de manière cohérente et adaptée.